Pour briller est un événement porté par notre cabinet Insight Coaching et son Webzyn Coaching News. Cet événement a une histoire très spéciale. Il avait été pensé et monté en mars 2020 à l'occasion du 8 mars. Mais pandémie oblige, l'événement a été reporté à mon plus grand désarroi. Mais de cette frustration va découler quelque chose de bien plus grand. Né pour briller verra le jour l'année suivante et sera un succès sans égal, fédérant des coachs, des experts, des partenaires, des participants des quatre coins du globe. Une énergie commune qui rend cet événement si spécial. Les participants en sortent boostés et c'est pour moi la meilleure des leitmotivs quand on organise de telles rencontres. Né pour briller a pour mission de soutenir l'empowerment des femmes, une stratégie de développement qui met l'accent d'une part sur le renforcement de leur estime de soi, leur confiance en elles, ainsi que leur capacité d'être l'auteur de leur propre histoire. Et d'une autre part, elle aide à lever les freins internes à leur participation au processus de décision et leur accès au pouvoir. L'événement se tient le mois de mars de chaque année pendant 5 jours sous format hybride, une autre façon pour Insight Coaching de célébrer la femme. Plusieurs masterclass keynote ont lieu en direct avec des coachs de renom, des rencontres, débats avec des femmes fortes et inspirantes et des hommes qui croient en un monde plus égalitaire et qui partagent leur retour d'expérience. Un entraînement intensif sous forme de bootcamp pour accompagner des futurs entrepreneurs porteuses de projets. Né pour briller est un concept complet au service de l'empowerment et du leadership féminin. Aujourd'hui, je suis là dans le cadre de mon travail avec la Fondation Asley à Paris. Je suis présidente de la consultation innovation et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes là pour promouvoir la femme marocaine. Nous sommes à Casablanca aujourd'hui pour évaluer 9 doctorantes. On accompagnera ces femmes pendant plusieurs jours à réussir à pitcher leur projet, mais surtout à sortir le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui est crucial parce qu'il va mettre en avant des jeunes femmes porteuses de projets et qui peuvent aller de l'avant, qui peuvent créer leurs propres entreprises, qui peuvent participer justement à ce développement socio-économique de notre pays tant voulu, d'une façon digne et d'une façon égalitaire avec les hommes. Un événement avec une belle valeur ajoutée, c'est toutes ces femmes-là qui ont voulu soutenir dans le même objectif des femmes de partout dans le monde, marocaines, qui sont venues pour la même cause et puis qui font surtout partie de la philosophie d'Yana Maroc. Merci encore et puis surtout bonne chance à notre entrepreneuse et à leur projet. Je dis aussi merci à tous nos partenaires, associations, invités de marque, coachs et experts nationaux et internationaux qui ont enrichi et accompagné activement ce projet humain et fédérateur pour permettre à la femme de prendre totalement sa place et de participer activement au devenir de notre société.